Alors, je suis le professeur Jalal Hassoun. Je suis orthopédiste chirurgien de carrière. Je suis installé après une carrière universitaire dans la médecine privée au Maroc, où je m'intéresse beaucoup au traitement des arthroses, donc allant du traitement médical aux traitements chirurgicaux. Quel est l'objet de votre présence à cette première journée de médecine régénérative du Sénégal ? Ben écoutez, premièrement, le premier objectif, c'est de participer au départ de la médecine régénérative dans un pays frère qui est le Sénégal, en partageant une modeste expérience dans ce domaine, parce que je pratique depuis 2015 tout ce qui est traitement des arthroses par la médecine régénérative, et notamment les concentrés plaquettaires. Et donc, j'ai été invité dans ce sens pour présenter ma série personnelle, qui est une série des plus respectées un petit peu dans tout ce qui se fait maintenant au niveau de la médecine régénérative, avec des résultats très encourageant, et j'espère que ça va être bénéfique pour encourager les collègues à aller dans ce sens-là. Pouvez-vous revenir sur votre présentation ? Bien sûr, donc voilà, grosso modo ma présentation, c'est que c'est une série où on a utilisé un procédé qui associe acide hyaluronique et concentré plaquettaire dans le traitement des arthroses modérées des genoux. Et là, déjà, on est à 2 années de recul pour la plupart des patients. Ça a montré une amélioration considérable de tout ce qui est symptomatologie, c'est-à-dire la douleur et la fonction du genou. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'on vise à démontrer, et là, on est parti dans le bon sens, de démontrer qu'avec ces traitements, on pourra éventuellement éviter la chirurgie qui était inévitable chez ce genre de patients il y a quelques années. On vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup.